Coucou. Bon, ben, je vais vous faire une petite carte hein, pour demain matin. Là, il est 8h, c'est l'heure des informations. 8h15, je ne sais pas trop. J'ai baissé la télé. J'ai commencé à couper les papiers. J'ai dit, ben, je vais le faire avec vous parce que ben, si je fais et puis que vous ne voyez pas comment j'ai fait, et je suis pas sûre de réussir non plus, mais enfin bon, on verra bien. Donc, pour débuter, je vais me faire un fond de carte. Alors, j'ai pris du papier dans le bloc noir blanc et craft et j'ai coupé à 15, 15. Oui, j'ai fait une carte carrée de 15, 15. Voilà. J'ai préparé un matage que j'ai coupé à 1,5 cm de moins, même pas 1,5 cm de chaque côté. Ça fait ouais, à peu près, vous voyez, que je vais venir le coller. Hein, et après, on va s'occuper du reste pendant que ça colle. Donc. Ça va être la base. Là, j'ai mangé. J'ai dit, allez, hop, je vais faire ma petite carte pour demain matin parce que je vous ai rien fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été tranquillou. Me suis reposée. Me suis reposée. J'ai fait des rêves complètement ridicules, mais j'ai même plus des rêves, c'est des cauchemars. Cet après-midi, j'ai dormi une heure et demie, et pendant cette heure et demie, là, j'étais pas la grande, non? Je sais pas pourquoi, bon, je vous raconterai pas mon rêve, hein, parce que, je sais pas, je dis un rêve, mais c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Mais bon. Ah ben ça arrive hein, des fois qu'on fait des choses des rêves qui nous plaisent pas trop. On se demande si quand on est réveillé, on se demande si c'est bien ce qu'on a rêvé, si on est bien encore là, si on n'est pas ailleurs, on sait plus quoi, vous voyez. Donc voilà, ça va être ma base. Après ben, je verrai là-devant ce que je vais mettre. Bon, j'ai pris du papier craft. J'aurais pu prendre un papier noir, un papier blanc. Et j'ai voulu faire comme ça. Voilà. Donc ensuite, j'en ai repris un autre papier, mais dans le plus léger. Là, c'est du plus épais. Là, j'ai pris le plus léger. Et je l'ai coupé. Alors, je ne sais même plus à combien, parce que je voulais faire un carré. Donc, je crois que c'est un carré de 13 que j'ai fait. Non, c'est un carré de 13,5. C'est un carré de 13,5. Alors, ça va rester plié. Ça va rester, voilà, comme ça. On va le mettre là en attendant. Et j'ai fait un carré de 13,5 que je vais venir faire un pli ici, 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 ici. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir me servir. Je ne sais pas si les plis, je vais pouvoir les faire avec ça. Ou si, oh, non, je vais plutôt les faire avec ma planche en mousse là. Attendez, ça sera plus. Parce que j'ai peur de louper sinon. Je vais prendre ma règle. Alors la moitié, elle est là. La pointe, elle est là. Là, ici. Voilà. Ici. Ici. Voilà, comme ça. Je vais faire un pli. Je vais en faire un autre dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Je pourrais plier aussi directement hein, parce que ça n'a pas l'air de. Attendez. Faut vraiment que ça soit carré hein, parce que sinon, pour faire le pli. Voilà. Ça me plaît mieux. Hop. On va plier dans l'autre sens. Ça a l'air d'être ça.
Et je vais en faire autant sur l'autre côté. Donc, je vais recommencer là. Je vais prendre ça. Je vais l'emmener jusqu'ici. Je vais faire mon pli. Hop. Et je vais faire mon pli ici. Oui, mais non, ça ne va pas aller, ça. Il faut que je la mette bien sur la mousse, sinon ça ne va pas aller. Hop. Et je plie. Voilà. Donc, on va plier. Ça et comme ça, j'espère que ça va aller. On va plier là, voilà. Donc on obtient ça, un pliage ici, un pliage ici, un pliage ici, un pliage ici. Ce qu'on va faire, on va mettre, alors j'ai un carré de combien là? 1,9 carré. Donc j'ai déjà coupé un carré de 9. Ah non, cela c'est pour cela. Ouais, peut-être qu'il faudra même que je les recoupe, je suis pas sûre. J'ai coupé un carré de 9 sur 9. Alors 9. Bon, j'ai pris du papier, toujours du bloc que j'ai ressorti d'il y a longtemps. Mais j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec ces papiers-là. Parce qu'en plus, il est joli hein, comme papier. Il n'est pas vilain, vilain. Et ça, cette partie-là va venir se mettre ici. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, on va le coller. Bon, je vais mettre de la colle comme ça. Ça fera peut-être pas gondoler trop. Si ça tient pas, je mettrai l'autre colle. Mais celle-là, elle colle pas mal. Hein. La colle en bâton, ça colle pas mal. Comme ça, voilà. On va essayer de le centrer quand même, hein. Voilà. Et ah oui, j'aurais dû ça. Oui, j'ai fait une bêtise. Enfin non, c'est pas grave. Ça, je voudrais le plier. Alors attendez, parce que là, voilà. Ça, cette partie-là, on va la ramener ici, comme ça. Alors, c'est là qu'il faut pas se bourrer. Celle-là, on va la ramener ici. Comme ça. Alors, par contre, ça fait pas bien la pointe, ça me plaît pas. Il faudrait que ça fasse quand même une belle pointe. Hein. Hop. Hop. Comme ça. Voilà. Vous voyez, vous ramenez ces deux morceaux-là ici, ensemble, et ça vient se plier comme ça. Hop, et hop. On va en faire autant ici. Alors, on va ramener, alors on va faire les pointes hein, quand même, comme il faut. Hop. Ça
ce point-là, on va le ramener. Si elle veut bien. C'est la partie la plus casse-pied, puis après ça va. Après ça prend le pli, c'est pas. Voilà. Et cette partie-là, comme ça, on fait bien la pointe. On fait bien la pointe et on ramène. Voilà. En principe, on est bon. Hein. Alors. Là. Cette partie-là. Hop. Et voilà. Quand ça va s'ouvrir, ça va faire ça. Mais on va habiller tous ces petits trucs-là. Ici, ici, partout. Que de ce côté. Hein. De ce côté, je ne vais pas le faire. Donc, pour ça, j'ai coupé des carrés. Mais est-ce que... J'ai peur que ça ne soit pas de la bonne grandeur. Ouais, il va falloir que je les recoupe. Hein. Combien j'ai fait, là? J'ai dit, ça faisait... Attendez. J'ai dit que ça faisait 13,5. Donc ça, je vais les couper à 12,5. Je pense que ça sera suffisant. 12,5. Je ne sais pas pourquoi j'étais les faire à... Ouais, à 12,5, je pense que ça devrait aller. On va voir. On va en faire un, et puis si ça ne va pas, je recouperai. 12,5. On va le couper à 12,5 aussi dans l'autre sens. Voilà. Et on va le couper en triangle. Voilà, je mets les deux pointes sur le trait et je coupe. Cette partie-là, je vais la couper en deux, je crois. Attendez, hein, je vais essayer. J'ai déjà en coupé un morceau. Alors, je mets ma pointe ici et j'essaye de rester droite. Ça me fait mes triangles. Alors, est-ce que... Ouais. Un ici. Un ici. Ça, ça devrait être bon. Et après, il me faut 2, 4, 6, 8. Il faut 8 morceaux. Alors, ces triangles-là que j'ai coupés en... Je vais les recouper. Alors, attendez. Celui-là... recouper en deux, mais il faut que je le recoupe encore en deux pour avoir là une moitié à chaque fois. Donc je me mets bien, j'essaye de rester droite et je coupe. Ouais, c'est ça, hein. Il en faut un ici. Il m'en faut un ici et il m'en faut deux autres pour l'autre côté. Je suis droite, je suis pas droite. Voilà. Ah mais non, bouge pas. Voilà, comme ça. Voilà. Et après. Alors, il m'en faut un, et là il m'en faut encore 4, donc une moitié, non pas ce papier là, celui là, j'en ai coupé trop, moi. Je vais couper celui là, et après on va coller, puis après on va faire le devant de la carte, hop, ça j'en ai plus besoin, celui là je le coupe en deux. J'essaie de me mettre droite. Ah oui, mais je ne l'ai pas recoupé à 12,5. Ça va être trop grand à tous les coups.
Bon, c'est pas grave, je vais le recouper un petit peu au ciseau, c'est pas grave. Hop, comme ça. Hop, voilà. Oh, bah non, ça va. Ouais, ça va aller. J'en ai deux. Et celui-là encore. Voilà. On va essayer de se mettre droite. Hop. On va déjà coller tout ça. Hein, on va coller tous ces petits morceaux. Allez, on y va. Après, vous recollez la couleur que vous voulez. Hein. J'ai pas. Ben alors, tu viens toi? Bon, allez, on y va. On va déjà en coller un comme ça. On va venir mettre là. On essaye de ne pas trop mettre dans la pliure, hein, parce qu'après, pour replier, ça va pas être, ça va être galère. Voilà. On va en coller un petit. Ici, on est peut-être un peu grand quand même. Hein. Ouais, il est un peu trop grand. Donc, je vais recouper un tout petit peu. Après, on retaille, hein, si... si vous trouvez que ça va pas, vous retaillez un petit peu. Hein. Voilà, comme ça, ouais, c'est mieux. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette colle-là. C'est parce que je m'en suis servi ce matin, et puis, comme elle est restée sur la table, et ben, j'ai dit, allez, hop. Voilà. On va en mettre un comme ça, alors que j'ai recoupé aussi, forcément. Mieux que je le prenne dans ce sens là. Hop. Ouais. Hop. Je suis pas habituée de vous faire une carte à ce temps là, mais là j'ai dit off. J'ai mangé, je ne vais pas aller me coucher tout de suite. Il y a Mask Singer là ce soir. Mais bon, l'année dernière, je n'avais pas trop accroché. Donc, voilà, hop, on essaie de le remettre un peu si ça c'est de bouger. Après, on va mettre un d'une autre couleur là. Donc, est-ce qu'il va bien ou est-ce qu'il est trop grand? Ben, là, ça a l'air d'aller là. Donc, je vais mettre celui-là. J'ai pris que deux couleurs, hein. J'ai dit on peut mettre plusieurs couleurs si on veut, mais il n'y a pas de colle là. Hop, un rose. Vite. Je sais pas pourquoi je prends cette colle là, l'autre peut-être que ça gondolera moins, je sais pas, peut-être, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je sais pas. Par contre, il va falloir que ça colle pas les masses, hein. Ouais, faut que je remette de la colle. Voilà, et on va en faire autant de l'autre côté. Alors, mon grand morceau, il est là. Oh, je vais mettre cette colle-là parce que ça colle pas assez, je trouve. Je vais mettre celle-là. Allez, hop. Voilà. Voilà. Ici. Ensuite,
J'ai déjà recoupé cela. Hein. Ouais, il faut que je la recoupe un peu ça. Hop. Et hop. On va mettre comme ça. J'ai pas voulu tout couper avant parce que si je coupe tout avant, bah, je ne fais plus rien avec vous, quoi. Donc, je fais comme ça. Celui-là. Bizarre, les roses, ils vont bien. Et... Ah bah oui, c'est vrai que j'ai une rose à recouper, c'est vrai. Voilà. Ouais, je vais remettre de la colle comme ça dans les pointes parce que ça n'a pas l'air de vouloir tenir des masses. Hein. Ça. Ensuite, celui-là, il viendrait là. Il faudra que tout est coupé. Après, c'est plus que du collage hein, par le fait. Comme toutes les cartes hein, qu'on fait. Hein. On coupe, on plie, on colle, on coupe, on plie, on colle, et puis voilà quoi. C'est juste la forme des fois qui change. Et heureusement. Voilà. Là, j'ai laissé un peu trop d'espace, mais bon, c'est pas trop non plus... C'est juste pour vous montrer le mécanisme, quoi. J'espère que je ne vais pas le louper. Hein. J'espère. Parce que j'ai pas fait avant. Hein. J'ai juste. J'ai dit je vais la faire. Je vais la faire comme ça, celle-là. Mais est-ce que ça va marcher? Ça, c'est autre chose. Donc on a ça comme ça. On va attendre un petit peu que ça sèche pour pouvoir la remettre en forme. Comme ça. Je vais attendre un petit peu quand même parce que sinon j'ai peur que ouais, il faut attendre quand même que ça colle un petit peu. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la couverture. Alors, comment je vais faire cette couverture? J'ai envie, comme si j'ai fait rose et blanc, et bien oui, mais là c'est pas assez. À moins que celle-là, ça va être pareil. À moins que je fasse des coins. Oui, je vais faire des coins. Attendez. Je vais faire 4 coins. Je pense que ça devrait le faire. Je vais garder ce morceau-là. Je ne sais pas si ça va aller, mais on va essayer. On verra bien. Hop. Je suis pas bien stable là, mais ça va le faire quand même. Hop. Je pourrais me mettre un peu plus stable, mais j'ai pas assez de place devant moi, donc je fais comme ça. On s'en sort toujours. Hop, bouge pas. Hop. Coupé, je vais voir si ça va. Je fais comme ça, et puis voilà. Hein. Pas de si je fais ça comme ça, que je mets un coin ici, un coin là, bah oui, un coin là et un coin là, bah, ça va le faire. Puis ici, je vais mettre autre chose. Voilà, hop. C'est parti mon kiki, on y va. Alors j'ai pas des... Ah si, bah, si, si, j'ai des fleurs, c'est bon. Les fleurs que j'ai fait en plus ce matin.
que j'ai pris dans le bouquin de Marémie, et j'ai fait, voilà, donc ça, il était beau ce papier quand même, hein, je trouve. Il est vieux celui-là, il est vieux, oui, c'était un dans les premiers que j'ai acheté quand j'allais chez Action, mais je le trouve joli comme. Alors, est-ce que je laisse un petit débordement ou pas? Ouais, je vais laisser un petit matage. Ouais, je vais faire ça. Faire ça ici aussi. Après, ça va être pour faire tenir le système. J'espère que je vais réussir. Voilà. Hop. Comme ça, c'est pas perdu. J'avais coupé du papier en trop. Bah. J'avais pas prévu de faire ma couverture comme ça, mais c'est pas plus bête, pas plus mal. Hop. Je sais pas si les fleurs que j'ai fait ce matin, que j'ai découpées ce matin, elles vont aller avec, mais on verra bien. Voilà. J'avais fait ces deux die cuts ce matin. Bah si. Bah si. Je vais les mettre comme ça, ouais, comme ça, ben, ils seront pas perdus. Et celui-là. Voilà. On va mettre là. Voilà, ça c'est. Alors après, vous mettez le sentiment que vous voulez, hein. Moi, comme je vous dis à chaque fois, je ne mets pas de sentiment. Ou c'est rare. Ensuite, alors c'est là que je ne suis pas sûre de moi. Alors, on va replier tout ça comme ça. Et ce que je veux. Et oui, mais là il aurait fallu que je le plie en deux. Et oui, parce que si je le laisse comme ça, et oui, ça il faut que je le plie. Ah, ça va être coton, hein. Attendez, hop, on va le plier comme ça. Hop. Et non, faut pas le plier. Je dis des bêtises. Ben si, faut le plier automatiquement. Parce que après, maintenant, ben il faut le plier, mais dans l'autre sens. Oh, mais hein, je me rappelle plus. Si, c'est ça. Maintenant, j'ai pas besoin de. Là, comme ça, et il faut que ça revienne. Attendez. Celui-là. Ça, si je le mets comme ça, que je le plie comme ça va pas. Il faut que ça vienne comme ça. Attendez, parce que j'ai un doute là. Si je le mets comme ça, que je le. Je ne vais pas le coller au milieu. Ah, j'ai un doute. Voilà, il faut que ça fasse ça. Faut que ça fasse comme ça. Vous voyez? Donc, il fallait bien que je le plie, mais dans ce sens-là, pas dans le sens que je vous disais. Donc, attendez.
On va bien plier. Voilà. Et ça, on vient plier comme ça. Donc, il faut que je colle déjà ça comme ça. Je vais déjà coller cette partie-là. J'espère que ça va marcher le mécanisme. J'espère. Sinon, j'aurais fait tout ça pour rien. Voilà. Attendez. Mais il faut qu'il se plie, hein. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, attendez. Là, je vais essayer de bien le coller. Comme ça. Voilà. Et ça, je vais venir le coller en fermant ma carte. J'espère que ça va marcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va marcher ou ça va pas marcher? J'ai peur. Voilà. Je referme et je colle. Et après, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu et ça s'ouvre. Et si mon mécanisme il marche. Bon, après pour mettre votre petit mot, vous le mettez derrière. Hein, parce que là, vous ne pourrez pas le mettre. Vous pourrez pas le mettre là. C'est juste une déco de carte. Alors, vous voyez, hop, vous l'ouvrez. Et ça vous fait un petit décor à l'intérieur. Vous pouvez peut-être mettre des petites choses dedans si vous voulez. Hop, vous voyez, regardez. Là, vous pouvez le garder comme ça si vous voulez. C'est pas mal aussi comme ça. Ça fait joli. Regardez, ça fait un petit décor. Vous pouvez mettre une petite chose là-dessus. Et hop, vous refermez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien. Vous voyez, ça vous fait un petit... Parce que vous pouvez pas écrire là, hein, sinon le correspondant pourra pas voir ce que vous avez écrit. Mais moi, je trouve que ça fait pas mal. Ça fait un petit décor de bonne fête maman, si vous pouvez faire hein, pour bonne fête maman. Vous pouvez... Voilà, bah, écoutez, je suis contente de moi, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Ma carte va se replier comme ça. Et puis, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous le laisse ouvert, hein, si vous voulez. Hop, comme ça. Et puis, j'espère que vous avez tout compris ce que je vous ai expliqué. Il n'y a rien vraiment de compliqué. Hein. Après, vous pouvez l'adapter à toutes les grandeurs que vous voulez. Vous pouvez la faire plus petite, vous pouvez la faire plus grande. Mais à condition de bien respecter les carrés de la bonne grandeur et tout. Hein. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.